Désolé pour le micro. Et salut tout le monde, c'est Super22, comment allez-vous? Moi je vais bien. Ouhou, je suis Superman. Déjà, je viens de regarder les vidéos de BF3 et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que ma qualité de micro est pourrie. Et je m'en excuse, c'est que mon ancien micro est mort et donc je dois me rabattre sur le vieux micro de mon père. Et c'est pas super, comme vous pouvez vous en douter. Donc on est pour une présentation d'un jeu assez incroyable quand même. Hein. C'est le jeu Prototype. Prototype, premier du nom, donc c'est un incontournable. Franchement. Alors, c'est vraiment super sympa comme jeu. C'est jouissif, regardez-moi ça. On tue tout le monde. On les écrase au sol. Vous vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette purée de pixels qui m'entoure là? C'est ça que vous dites? Hein? Ah, c'est ça, je sais que c'est ça. Eh bien, en fait, c'est que c'est un vieux jeu de 2009, quoi. Donc, 2009, il a pas beaucoup vieilli, quand même. Alors, commençons un peu la présentation du synopsis. Vous apprenez des mots avec Superlux. Synopsis. Alors, le synopsis, le résumé, si vous préférez. On est Alex Meyer. Voici Alex Meyer, il est trop dark. Alex Meyer, et on est un scientifique dans une société pharmaceutique, encore, qui s'appelle Gentech. Gentech qui conçoit un virus. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non, honnêtement. Honnêtement, il y a de l'idée sur Resident Evil, là, quelque part. Donc, en étant scientifique, on a conçu un virus. Le virus, il a même pas de nom, ce virus, c'est assez incroyable. Et ce problème, c'est qu'on se rend compte que c'est une arme mortelle. Et notre personnage pète les plombs. Et le diffuse dans Manhattan. Mais ça, normalement, on n'est pas censé le savoir dès le début. Il diffuse le virus dans Manhattan, causant ainsi les petits problèmes ici présents, comme vous pouvez l'apercevoir. Là. Ici. Voici une des personnes administrées par le virus. Donc c'est... Oui. C'est Resident Evil, là, hein, quelque part. Et comme vous voyez, nous, on n'est pas non plus normaux. Je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est que... dans sa maladresse, Alex Meyer s'est lui-même contaminé, mais il a un code génétique assez différent de celui des New Yorkais ordinaires. Encore un. Et ce qui fait que lui... Le virus a eu d'autres effets sur son génome qui lui a valu des super pouvoirs. Donc c'est un super héros littéralement. Et sa mémoire fuit. Il a perdu la mémoire. Et son moyen de rappeler ce qui s'est passé avant, c'est d'absorber ces personnes-là. Vous voyez? Là, ce truc-là. Avec un espèce de crâne. Il faut l'absorber. Pour l'absorber, on fait comme ça. On fonce dessus et on l'attrape. Après, pour l'absorber, on l'absorbe. Et normalement, ça va récupérer une cible de l'intrigue, donc c'est-à-dire une mémoire. This weapon is to be given the highest priority. I want it in the field yesterday. We're producing it as fast as we can. The Harlem facility is getting up to speed as we speak. Good. We may have just caught a break. Dismissed. Donc voilà, ça nous apprend un peu ce qui s'est passé. Avec voilà, avec des petits flashbacks vraiment sympas. Mais vous vous dites, mais ça peut pas être tout là, c'est juste un super-héros qui vole et qui absorbe des personnes. Donc déjà, l'utilité de l'absorption. Donc, on a un militaire. On le prend et on peut l'absorber comme ceci. En l'absorbant, il y a deux choses qui se passent. Première chose, on absorbe son énergie vitale, donc on se régène de la vie. Et deuxième chose, on prend son apparence. Vous n'y voyez pas clair, j'imagine. Est-ce que ça veut dire... Oui. Ce que ça veut dire, en fait, concrètement, c'est que je me fais attaquer. Un groupe d'un... Oh punaise, mais ils envoient tout, là, laissez-moi tranquille. Voilà. Hop, vous n'avez rien compris. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais vous dire ce qui se passe. J'ai me suis métamorphosé. J'ai pris l'apparence. Oh, punaise, un détecteur viral.
J'ai pris l'apparence de ce militaire afin justement de là, afin de passer inaperçu parmi eux. On peut ainsi infiltrer les bases militaires et faire exploser l'intérieur. Je vais d'ailleurs vous montrer ça tout à l'heure. Merci Skype. Et donc on peut repasser à l'état d'humain, à l'état militaire, à l'état humain. Voilà. On peut faire pareil avec les civils. On peut les prendre, on peut les absorber et les prendre leur apparence. Mais où prototype tire tous ses joies jouissifs, c'est dans ses pouvoirs. Comme vous voyez, on a ici une liste de pouvoirs. Donc là, on a les métamorphoses ici. On a les pouvoirs défensifs, donc une armure et un bouclier. On a les pouvoirs de vision qui nous permettent de voir une vision thermique. Vision thermique qui nous permet de repérer je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps. J'avais pas eu. Enfin, il nous permet de repérer les cibles thermiques. Voilà. On a la vision infectée qui nous permet de voir toutes les choses infectées. Donc quelque chose de brillant, c'est quelque chose qui est infecté, mais sans le savoir. Donc là, vous voyez, moi je suis brillant, donc c'est-à-dire que je suis infecté. Ça c'était un conseil, donc il y en a plusieurs dans le jeu. Et quand vous les récupérez, vous absorbez des PE. Les PE, qu'est-ce que c'est? On verra ça plus tard. Alors, après, donc dans les pouvoirs, après, on a le pouvoir bouclier. Vous voyez, ça fait un truc derrière moi, et quand je cours, ça fait un bouclier que je peux tout péter avec. Comme vous voyez, ça fait ça. Ah, je suis fou, je suis un fou. Comme vous voyez, le pouvoir bouclier, c'est super sympa, franchement. On a disparu de la surface de la Terre. L'intelligence artificielle des militaires est égale à celle d'une carotte. Parce que vous voyez là, il y a un hélico, il y avait un hélico tout à l'heure, je volais à côté de lui, il n'y voyait rien du tout. Donc, pour vous dire vraiment, on a une base militaire pas loin. On va pouvoir montrer un peu comment ça se passe pour les bases militaires. Juste avant, je vais vous montrer la suite des hostilités. Le pouvoir armure, qui vous donne complètement une armure qui vous permet de péter les gars là. What the? Oh, je suis un fou moi. Oh, attends. Comme vous voyez, hein, notre cher Alex Mercer est un boxeur. La réincarnation de Rocky. Ah, et après on a le détournement de véhicules militaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous dites détournement, détourné, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore celui-là? Eh bien, je vais vous raconter ça. Ah, je l'ai raté! Ah, c'est pas pareil que dans le 2, c'est nul! Donc attendez, je vais peut-être enlever mon... Ouais, bah il va falloir que j'utilise mon pouvoir, l'assaut. Donc je vais essayer de mettre fin à l'alerte. Tac 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 tac. Donc le pouvoir armure vous donne plus de puissance de frappe, plus de défense, mais vous enlève de la vitesse. Punaise. Bon, il va être obligé à me... Voilà, ni vu ni connu. Comme vous voyez, c'est vraiment des têtes d'huître, hein. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans le jeu? Parce que là, vous commencez... J'imagine que vous... Oh punaise. J'imagine que vous commencez à vous dire, mais c'est un jeu de merde, ça, tu peux rien faire d'amusant. Vous voulez que je vous montre un truc d'amusant? On va aller regarder un truc d'amusant, les gens. On va déjà essayer de sortir de la zone infectée. On va aller dans la zone... protégé par les militaires. Voilà. Alors, regardons la map. Donc, la map est gigantesque. C'est Manhattan. Donc, Manhattan, vous voyez, il y a des ronds rouges et des ronds bleus. Les ronds rouges sont les zones infectées. Donc avec des nids ici que l'on peut détruire pour éliminer le rond rouge. Et donc, pareil pour les bases, on peut détruire et éliminer le rond bleu.
Les zones noires sont des zones ni l'une ni l'autre. Voilà. Les zones militaires avec un plus à côté veut dire que dans cette base, il y a un truc que l'on peut apprendre. Les cibles de l'intrigue, il y en a une en face. On va... Hop! Hop, ni vu ni connu. On va passer la vidéo, hein. On a passé la vidéo et comme vous voyez, j'ai absorbé son apparence. Une base militaire juste ici. Les bases militaires qu'on voyait sont vraiment très bien gardées. Des tanks, je montre avec le doigt. Des tanks, des détecteurs viraux. Là, regardez là-bas. Ceci là-bas est un détecteur viral. Si je m'en approche trop, il va me détecter. Je peux les saboter et tout ira bien. Alors, et on va en venir vraiment au point fort du jeu, les mutations. Alors, les mutations, on va aller rigoler un peu quelque part. Allez, on va aller ici. Coucou les militaires, comment ça va? On va montrer la première mutation du jeu, griffe. Regardez-moi ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Mes bras se sont transformés en bras à moitié organique avec des griffes au bout. Ah punaise! Ah mais il y a trop de militaires là, je vais morfler. Prototype 1 est beaucoup plus dur que le 2. Hein. Vous voyez, je fuis. Mais en fait, je vais changer de technique. Je change de pouvoir, je prends le pouvoir l'assaut. Et lui, je l'attrape. Je m'accroche donc à lui. Et je prends le contrôle de l'hélicoptère. J'ai donc pris le contrôle de l'hélicoptère. Ce qui va me permettre donc de faire le bien un peu partout. Donc les militaires entiers veulent ma peau. C'est vraiment un jeu jouissif. Hein. On peut aussi contrôler les tanks. Tac, comme vous voyez, je m'accroche au tank. Je grimpe le tank et je le contrôle. Et moi personnellement j'ai mal pour le pilote. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ça? C'est fini. On a quoi d'autre? Quelqu'un veut rigoler? Donc là je vais mourir. J'ai plus beaucoup de vie, donc ce que je vais faire, je vais absorber. Ah, trop de militaires. Donc on a les rapports opérationnels qui démontrent toutes les pertes militaires. Franchement c'est assez sympa. Oh la punaise. Ennemi. Ah non, ils en ont pas après moi. Oh là là. What the fuck the bug. Alors donc, je vais vous montrer deux pouvoirs. On va montrer un troisième pouvoir qui est la masse musculaire. Donc, la masse musculaire vous donne beaucoup plus de force dans les lancers, dans les sauts. Et vous donne également beaucoup plus de force dans les sprints. Donc ça s'appelle pas masse musculaire pour rien. Bam! Hop là. Ça c'est esquive. Il manque deux pouvoirs.
Le premier pouvoir est la lame. Le deuxième est le marteau. Voici le marteau. Toi, tu m'énerves. Bam. Bam. Voici le marteau. Donc, le marteau, on s'en indique, c'est... Bouin. Bon, j'en ai marre, là. Les militaires, ils me font chier. Là, c'est parce que je suis dans une zone militaire. Ah, la vache. Parlez-vous. Après, la technique à faire, c'est prendre le bouclier et de prendre la masse musculaire. Comme ça, vous courez plus vite et vous jartez tout sur votre passage. Là, je suis en mode adrénaline. C'est-à-dire que j'ai plus de vie du tout, là. Et que je vais mourir. Ah, je suis mort. Et je n'ai pas eu le temps de vous dévoiler le pouvoir lame. Eh bien, c'est pas grave, je vous le montrerai dans Prototype 2. Allez, salut tout le monde.